Bon, aujourd'hui, je pars d'avance pour pas arriver en retard à ma job. Hey, ça, c'est bizarre, hein? Quand la première personne a découvert que la vache donnait du lait, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait exactement à ce moment-là? C'est très bizarre. Même chose pour les œufs. D'ailleurs, pourquoi les magasins ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures? Oh là 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 là, j'ai encore oublié mon cellulaire. Il est pas là, il est pas là. Ça me niaise. Quand faut que je trouve quelque chose, je le trouve jamais. Puis quand je le cherche pas, je le trouve. Il n'y a rien dans la vie qui m'énerve encore plus que devoir chercher, puis devoir chercher, puis hey, je viens de le trouver. Mais l'affaire que je comprends pas, c'est comment que ça s'est retrouvé là? J'ai jamais été là de la journée. Imagine si du jour au lendemain, le chocolat n'existait plus ainsi que la pizza. Oh que non, ça n'arrivera pas. En fait, qui était vraiment là en premier? L'œuf ou la poule? Ouais, cette question-là, ça me donne envie de manger un œuf, hein? Hey, qu'est-ce que j'allais faire déjà? Ah oui, c'est vrai, partir pour aller à ma job. Là, en ce moment, je sens que j'oublie quelque chose, mais c'est quoi? C'était mes clés. Là, c'est sûr que ça me niaise. Là, ça devrait être bon. J'ai mon cellulaire, j'ai mes clés. Ah, il manque mon portefeuille. Moi qui partais d'avance pour pas arriver en retard, et là, je vais arriver en retard. Comme Jenny disait dans un film classique, « Cours, Forrest, cours! » »« Cours, Forrest, cours, vite! » Hey, là, je commence à être tanné de monter et descendre les escaliers. J'espère que je vais pas faire ça toute la journée. Imagine si t'étais condamné en enfer à monter et à descendre les escaliers, et ce, jusqu'à la fin des temps. Oh non! Eh oui, j'ai encore oublié quelque chose, mon habit de travail, Colibin. Je suis vraiment perdu. Je suis vraiment perdu. En fait, pourquoi je m'appelle Anton? Si je m'avais fait appeler Samuel, est-ce que toute ma vie aurait changé? Genre, tout le monde s'appelle Samuel ou bien Olivier. Est-ce que j'aurais eu l'air plus cool? Je sais que j'ai un souper bientôt avec quelqu'un, mais c'est qui déjà pis c'est quand? Finalement! Suis-je moins cool de m'appeler Antoine? Ben, je crois pas. Pourquoi le mot court est-il plus long que le mot long? Faut-il s'armer de patience pour pouvoir tuer le temps? La personne qui a goûté les huîtres pour la première fois, à quel moment il s'est dit qu'il allait ouvrir un truc qui ressemblait à un caillou pour ensuite manger la substance visqueuse à l'intérieur? Ah ben oui, il manquait plus qu'à rentrer dans le compost pour agrémenter ma journée. Pis évidemment, ça arrive quand je suis en retard. Ça peut pas arriver une autre journée, hein. Ça s'annonce pas être une journée de marde. Ah, oh, pis le petit collet qui manque une roue. Ah, oh, ça va bien. Ah, oh, j'adore ma vie. En plus, les voisins me regardent. J'ai vraiment l'air d'un épais. En fait, j'ai pas juste l'air. En ce moment, j'en suis vraiment un. Ma journée vient de commencer. À quel point elle va être dégueulasse. Il ne reste plus qu'à avoir une tempête de neige. Oh, faut que je m'affirme, c'est sûr qu'il va avoir une tempête de neige si ça continue. Et si tu veux plus de vidéos de ce style-là, oublie pas de t'abonner et de mettre un joli pouce bleu.